Salutations amicales à les amis de langue française. Comme je vais faire d'ici à une semaine un petit cours d'initiation à la connaissance ésotérique et spirituelle de Fernando Pessoa, j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'essayer de donner un aperçu sur Fernando Pessoa, sa évolution spirituelle, ses connaissances spirituelles, et en le faisant en français, mettre en route des liaisons très perdues dans ma utilisation de la langue française, mais qui, parfois, par des résonances, par des associations affectives, puisse donner des coups d'œil nouveaux, soit plus vraisemblablement des analogies, des associations d'idées intéressantes, même pour moi. Et alors, je commence. Comme on sait, ce poète, aujourd'hui connu universellement, il est né en 1888 à Lisbonne, et après une vie dans lequel il a passé des 5 années jusqu'à les 15 années dans l'Afrique du Sud, où il a puissé une connaissance de la tradition littéraire anglaise très forte, qu'il a aimé toujours, soit Pickwick, Letters of Pickwick, Mr. Pickwick, ou surtout Shakespeare. Shakespeare, pour lui, c'était vraiment le grand maître. Bien qu'il a discuté beaucoup de fois sur sa capacité d'être conscient ou non de son génie et de ses connaissances spirituelles. Alors, il a même défendu que le génie, c'est une initiation qui en tient dans notre vie et qui se manifeste dans cette vie. Il a pris pour lui-même ça, car en effet, il a été dès très jeune un être très doté pour l'écriture, pour la poésie, pour le travail de l'intelligence. Il a commencé à écrire des poèmes très jeune. Il a inventé ce qui deviendrait plus tard les hétéronymes, soit beaucoup de petits êtres qui collaboraient dans des journaux qu'il a fait lui-même, comme le Palrador, Monsieur Pantaleon et des autres. Il a commencé à écrire aussi avec ses pseudonymes, qu'on peut dire des semi-hétéronymes ou des hétéronymes mineurs, car il n'avait pas encore ce développement d'une toute une vie, de toute une philosophie, tout un apparat biographique ésotérique comme il l'a construit pour les très grands hétéronymes qu'il commence à manifester dans ses écrits, dans ses lettres à ses amis à partir de 1914-15. C'est à l'époque qu'il déclenche le mouvement Orfeo avec des autres amis, influencés par les mouvements futuristes, modernistes, qui étaient alors en vague dans toute l'Europe et avec laquelle quelqu'un des participants avait des contacts aussi avec le Brésil, où Ronaldo Carvalho, c'était un des fondateurs, directeur de la revue et qui était venu du Brésil avec cette idée même de la revue qui a déclenché une réaction très forte contre ce genre de poésie très provocatif, très inusuel dans les rimes, dans les sujets et qui a fait couler beaucoup d'encre à cette époque-là. À cette époque-là,
Lui qui était à développer le paganisme comme une réaction à une église qu'il trouvait un peu stagnée, un peu hors de la vraie connaissance des mystères qui étaient parvenus à elle dans le début. On peut dire que beaucoup tôt dans sa vie, il est déjà un gnostique dans le sens d'un être qui est dans une recherche de la gnose, de la connaissance, connaissance philosophique, connaissance morale, connaissance spirituelle. Et il a développé cette gnose d'une façon incroyable, car il s'est mis au-dedans de beaucoup des traditions, non seulement littéraires, comme les futurismes, sa propre vision du modernisme avec un sens de relation de plusieurs des plans au-dedans, au-dehors, paysage, sentiment, dans l'intersectionnisme, où il a écrit des poèmes qui, plus que des vraies expériences spirituelles, étaient des bonnes constructions. Par exemple, La pluie obliqua, c'est un des grands poèmes de ce genre. Et quand il était à développer ce paganisme, il a été invité à traduire des livres de théosophie. Six livres de théosophie, ils vont être traduits en 1915-1906. Il le fait avoir une très grande impression sur la possibilité de la vérité être un peu là ou beaucoup là. Il a dit qu'il était aussi impressionné quand il a lu il y a beaucoup d'années, on pense que probablement en 1809, 1810, il a lu un livre de Hargrave Jennings sur les Rose-Croix et aussi des livres de Mills qui a écrit Quests, Halls and News. Ces livres ont été pour lui aussi très importantes parce que c'était de bonnes présentations de la spiritualité, une spiritualité dans laquelle il n'y avait pas le sens si moral, si humanitaire, si divulgateur de la vraie sagesse, comme c'était le cas de la théosophie. Alors il développe une certaine réaction contre la théosophie. Il invente même un astrologue, Raphaël Baldaia, qui a la mission d'écrire un traité d'hyperscience, un traité de métaphysique ésotérique dans lequel il va, de certaine façon, éclaircir, au contraire, les idées qui étaient mises dans la société théosophique, surtout Annie Besant et Leadbeater, qu'il accusait, surtout Leadbeater, d'avoir tous les secrets sur la doctrine secrète, mais qu'il avait toutes les clés, mais qu'il avait oublié de mettre la clé de la grammaire anglaise dans ses poches. C'est une vraie critique d'un être littéraire qui a toujours donné beaucoup d'importance à sa perfection de l'écriture. Alors, quand il est mort, on a trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de poèmes, beaucoup, beaucoup d'écrits, presque 25 000 papiers sont dans la Bibliothèque nationale, et j'ai travaillé là en 1908, 6, 7, 8, dans ces manuscrits, dans la partie ésotérique. Et c'est là que j'ai, au contraire, la plupart des commentateurs de Pessoa qui ne valorisaient pas beaucoup cette partie spirituelle, ou qui trouvaient que c'était seulement des mystagogies, c'était seulement un genre de bromerie, de fumisterie. Non, Fernando Pessoa, c'était jusqu'à ça, à la fin de sa vie, dans une vraie recherche de l'initiation, de la gnose, de la vérité. C'est ça qui a donné à lui plus de force pour se maintenir dans un milieu qui n'était pas si favorable
à des écrivains modernistes ni à des spiritualistes. En dehors d'être tout seul quand parle de sa vie, il dut avoir commencé à boire beaucoup et à fumer des cigarettes. Alors, tout ça a fait que sa vie a été devenue plus courte. Il n'a vécu que 47 années. Il est mort en 1935, probablement d'une pancréatite, d'un certain dégât de la foie et des autres organes intérieurs, comme le pancréas. Et malheureusement, car comme il m'a dit son ami Fernand de Bachot au Bourbon, il demandait plus de 7 années de vie pour finir tous ses projets. Et en effet, ses projets, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Non pas seulement ceux qui ont été plus tard rapidement publiés et petit à petit plus développés, soit Fausto, soit le très fameux livre des associés, un livre de la inquiétude, qui, comme il l'appelait, c'était sa production maladive. C'était vraiment lui dans la ligne pessimiste et cadentiste, mais aussi l'être de conscience pleine, lucide, dans le milieu de 1910, 20, 30, dans les quartiers des travailleurs, des bourreaux, un monde qu'il analyse avec une sensibilité très fonde, très profonde, bien que très, 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 dans la plupart des temps, très triste, très dépressif, très négatif. Mais parfois, il y a des pages très belles dans lesquelles il tient presque une renaissance lustrale, comme il dit, quand il prend conscience de sa monade, de son esprit soudainement au milieu de cette vie qui, pour lui, a été un peu décevant. Presque à la fin de sa vie, quelques années avant, je pense qu'en 1932, il a fait un essai de recevoir un petit emploi dans la bibliothèque Castro Guimarães à Cascais, mais il n'a pas reçu l'approbation. C'était bien pour lui. Certainement, il pourrait avoir vécu plus des années, mais en effet, le système politique et les personnes qui dominaient un peu le milieu culturel n'étaient pas du tout ouvertes à celui qui était pour eux un peu un mégalomane, un peu un homme qui n'était pas du régime. Et ça, c'était aussi des effets qui ont peut-être précipité sa sortie du plan physique. En effet, dans l'année dernière de sa vie, il a commencé à être débattu dans l'Assemblée nationale un projet d'interdiction des associations secrètes maximées de la franc-maçonnerie par un député José Cabral, qui était, certaines façons, très appuyé par l'Église catholique, au moins par certains milliers conservateurs des journaux de la Église et du régime de Salazar. Alors, il a écrit une première lettre que personne n'attendait. Elle a été publiée à défendre les libertés des associations secrètes. Mais il a été rapidement attaqué, il a été interdit de parler. Salazar a même dit, à certains moments, quand il a fait la cérémonie de la délivrance d'un projet qui a été maintenu par lui pendant beaucoup d'années, c'était le poème
Mais sache qu'il est devenu ce nom au dernier moment, parce qu'avant c'était Portugal, un poème nationaliste mais très spiritualiste, et qui a même entré dans ce concours littéraire promu par le SNI, l'agence du gouvernement, mais qui n'a pas reçu le premier prix. Fernando Pessoa a même refusé d'aller à la distribution de prix. Il a reçu l'argent, c'était très bien pour lui. Il a pu payer les dettes pour quelque temps, mais il était très contre Salazar de plus en plus. Surtout quand il a dit, comme je disais avant, qu'il fallait dire ça et ne pas, et on ne pouvait pas dire cela. Il a dit même que c'était une règle communiste. Il était vraiment un homme qui était contre toutes les formes d'internationalisme. Il nommait beaucoup la finance internationale, le communisme et l'Église. C'était trois des formes. Il se disait un libéral qui, dans le sens libéral nationaliste, dans le sens que la nation, c'est une entité spirituelle. La nation a une âme, elle a une tradition. C'est même très intéressant. J'ai publié en 1988, j'ai publié quatre livres sur les travaux que j'ai faits dans la partie ésotérique de Fernando Pessoa. J'ai trouvé et publié pour la première fois une lettre écrite en français à Comte Hermann Kaiserling sur la grande âme portugaise, dans laquelle il expliquait à Kaiserling qu'il était venu au Portugal, il avait écrit l'analyse spectrale de l'Europe, mais dans laquelle il n'avait pas vraiment ressenti la vraie âme portugaise. Il n'a pas vu que la première, celle qui est de la nature, celle que la mer, l'océan reflète le ciel bleu, et la partie politique et sociale et superficielle européenne. Mais la vraie âme qui nous venait des mystères anciens et qui avait se manifesté autant de lyrisme de la première dynastie et dans la chevalerie de deuxième et debout des découvertes et dans les découvertes, elle continuait à vivre et elle aurait un jour un autre mouvement. C'est elle, cette grande âme qui Fernando Pessoa, en toute sa vie, il a essayé de travailler. Et alors il a travaillé comment? Surtout lisant des livres d'occultisme. Il s'est même correspondu avec D'Urville, avec les frères D'Urville, à un niveau plutôt psychologique. Il a lu et connu Papus, Eliphas Lévis, le portugais français Martínez Pasquale, Saint-Martin, et il parle beaucoup aussi d'Oswald Wirth. Et sa connaissance de la spiritualité ésotérique, occultiste du 19e et 20e siècle, c'est très bon. Bien qu'il a entré plutôt dans un travail sur la maçonnerie, sur la symbologie de la maçonnerie, sur son origine, ses grades, et peut-être là, il a perdu beaucoup de temps. Il y a des pages et des pages écrites sur les correspondances entre les grades de la maçonnerie et aussi des autres ordres, des ordres comme la Golden Dawn, Iastrum Argentinum, ou Societas Rosae Crucianae in Anglia, ou des autres même dans lesquels il établit des connexions, des correspondances. Il a perdu beaucoup de temps. Bien que peut-être il faisait ça, et ça c'est une question qu'on ne parle pas et qu'on ne connaît pas, parce qu'il voulait aussi faire réapparaître l'ordre spirituel de Portugal, soit sur le nom de l'ordre du Christ Portugal, soit sur l'ordre templier de Portugal. Il a eu ce projet pendant beaucoup d'années. Il a laissé quelques rituels, les conditions d'initiation même, que j'ai publié dans un livre qui s'appelle Rosia Cruz, la Rose-Croix, dans lequel j'ai rassemblé des
deux centaines peut-être, des écrits sur les touches, les rose-croix ou les symboles de la rose-croix. Parce qu'il était vraiment un symboliste. Pour lui, les symboles, c'était des êtres vivants. Il fallait ressentir, il y avait une communion pour eux, avec eux, pour commencer à avancer dans le chemin de l'initiation. C'était pas vraiment un contemplatif ou un méditatif par excellence, bien que parfois il parle de méditer bien sur ça et que beaucoup de choses viendront, ou que ces choses, je les fais parvenir à mon cœur et elles sont connues. Mais en effet, on peut dire que sans peu de contrôle sur l'alcool, peut-être a diminué sa capacité de réalisation spirituelle plus forte. En même temps, comme il a travaillé tant le pessimisme, le décadentisme, la sans-raison, le vide, le néant, dans le Faust ou dans le livre des associés, comme beaucoup de poèmes, et ça aussi dans Howard de Campuche, même Ricardo de Reich, ils sont des êtres où l'amour pur ou l'amour au divin n'est pas très présent. Alors on peut dire que son cœur n'a pas réussi à rayonner plus fortement. Il a été avec une tête incroyable, une sensibilité aussi forte, mais sa capacité d'aimer n'était pas si développée. Il a quand même une relation avec la fameuse Ophélia Keloch, en 1908, qui a duré seulement 9 mois, cette époque-là, mais dans laquelle il a ressenti beaucoup d'amour, au début surtout. Il a l'a baisé fortement, l'a embrassé. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé à autres niveaux, soit dans sa vie particulière ou non, mais à la fin de cette roman d'amour, il pressionnait pour elle, pour prendre une position. Il dit qu'il vraiment, il tient qu'il suivre des lois, des maîtres. Il présente son chemin spirituel comme un niveau plus fort. Curieusement, à cette époque-là, il était encore, de certaine façon, bien que déjà très dans les aspects négatifs, mais travaillant bien dans une certaine spiritualité, que c'était manifesté même en 1916, 15, avec des phénomènes de visions éthériques et astrales. Et cette capacité a été décrit dans une lettre à sa fameuse oncle Annika de 1916, dans laquelle il raconte ses expériences de vision à l'intérieur du corps, ou des autres lettres dans lesquelles il raconte ses capacités de ressentir les tempêtes astrales de son ami Mário de Sá Carneiro, qui c'était à Paris. Paris, Mário de Sá Carneiro, c'était aussi un écrivain tragique, s'est suicidé à Paris. Et que c'était aussi avec une sensibilité très forte, très spirituelle, qui s'est morte par lui-même, et que pour Fernando Pessoa, c'était son grand ami. Après, avec la séparation d'un second roman d'amour avec Ophélia en 1928, dans lequel il donne comme responsabilité sa mission littéraire, avec la mort de sa mère après, il vient plus seul. Il rencontre en 1931 le fameux maître occultiste de voix plus noire, Aleister Crowley, qui vient à Portugal pour initier un autre écrivain que connaissait bien le français, Raoul Leal, qui a même écrit en français aussi, et qui a été avec Fernando Pessoa et qui a transmis certaines connaissances et certaines forces. On peut dire que Pessoa a reçu une certaine initiation de
ce maître Thérion, comme il s'appelait. C'était pas peut-être l'idéal pour lui, mais en effet, Clovis c'était un homme qui avait voyagé beaucoup, il connaissait beaucoup de la magie, et c'était un homme très fort, et très, avec très force d'ironie, intelligence, et ça plaisait à Fernando Pessoa, qui a été influencé par lui. Bien qu'il a compris que c'était un mag un peu noir, car il ne faisait sa soumission à Dieu. Ce qu'il faisait. En 1935, 6 mois avant de mourir, Fernando Pessoa écrit une note autobiographique, très importante. Cette note autobiographique termine avec une confession de sa position religieuse et de sa position initiatique, dans laquelle il se dit que c'est un chrétien gnostique, fidèle à la tradition, au culte de l'Église catholique, qui est relationné avec la tradition secrète d'Israël et avec la franco-maçonnerie. Il dit même aussi sa position initiatique. Je suis initié par maître à disciple dans les trois grades de l'ordre templaire de Portugal, apparemment extincte. Il termine cette carte très importante avec une citation d'un maître français, le dernier grand maître templier Jean-Jacques de Molay. Avoir présent toujours les trois assassins de maître Jean-Jacques de Molay, la tyrannie, l'ignorance, l'ambition. Et ça, c'est un. Cette trinité des assassins du maître, c'est aussi un des sujets que Fernando Pessoa a travaillé beaucoup, beaucoup. Il a travaillé beaucoup le grade de maître dans la maçonnerie et toute sa légende de Hiram, avec lequel il faisait relation avec Christian Rosenkreuz et aussi avec King Sebastian et avec le disciple qui était lui. Il était alors initié dans cet ordre templier de Portugal. On ne sait pas exactement comment c'était ces derniers mois. Quelques écrits, pour quelqu'un qui les connaît très bien, peuvent transmettre quelque chose de cette vibration, de la transmission finale de toute sa connaissance. Et là, on peut dire qu'il affirme plus fortement le chemin direct du mysticisme, le chemin direct du cœur, le chemin de la unification de toutes nos forces animiques dans l'esprit, vers l'esprit, et par cet esprit vers le divin, vers la dimension divine. C'est peut-être ces derniers enseignements qui font d'une certaine façon une couronne finale, très rapide, mais qui éclaircit plus une vraie quête très forte, très grande, qu'il a fait passer aussi pour l'astrologie beaucoup, 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 et aussi à les faire connaître beaucoup des traditions spirituelles religieuses, surtout du christianisme, de la Trinité, aussi de la Kabbale, et aussi la tradition islamique, surtout Omar Khayyam de la Perse. Ces grands poèmes de la message, de l'initiation et des autres sont encore disponibles. Salutations.